Bonsoir à toutes et à tous. Bah, écoutez, je suis ravie de me trouver parmi vous. On a passé deux jours, j'ai passé deux jours avec les membres du jury exceptionnels. Je dois vous dire que graviter dans ce monde sucré pendant deux jours était tout à fait délicieux pour la cuisinière que je suis. Et on a eu de belles surprises. Merci à tous et c'était vraiment une expérience merveilleuse pour moi. Gagnant du dessert de bronze et Damien Gendron. Tu sais, fin de plus fragant. Le dessert d'argent, catégorie junior. Jérémy Cauchois. Tu sais, fin de plus fragant. Le prix aux champions de France de dessert junior 2012. Gagnant est Valentin André. Bravo! Du lycée hôtelier du Touquet. En mon nom et au nom du jury, bien sûr, vous dire que vraiment Valentin nous a beaucoup impressionnés et qu'il pourrait, il aurait pu concourir facilement dans la catégorie professionnelle aujourd'hui. Bravo! Tout le stress qu'on a accumulé pendant ces 2-3 jours, là, même ces quelques mois, tout est retombé et bah, ça laisse place à une émotion de joie plutôt que du stress. Quoi. Un peu déçu pour les collègues qui ne sont pas montés sur la boîte, mais j'étais content de concourir avec eux. Le concours c'était très relevé cette année. Et bah, voilà, ça laisse présager de belles choses pour la suite. C'est une dame que j'apprécie. J'apprécie beaucoup et au niveau de sa pâtisserie, de sa cuisine, voilà, elle ouvre quelque chose sur Paris. Donc non, ça peut laisser présager de belles choses. Le dessert de bronze est attribué à Jérémy Delval. Saint-Martin. Dessert d'argent attribué à Thomas Wasson. Du radio à Chamalières. Beaucoup d'émotion de remettre ce prix. C'est important pour celui qui l'a gagné, puis pour nous tous. Donc Philippe Le Doc. Bravo. Oui, je suis ému, mais c'est normal. Il y a des très belles choses faites. Donc la victoire est là, mais elle est humble en même temps. Ça confirme ce qu'on pense, ce qu'on désire réaliser. Et maintenant, ça donne plus de conviction. Et je pense que ça va me permettre de prendre de l'assurance. Et puis surtout, maintenant, mon désir, ça sera de transmettre et de donner ces convictions.